Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez, on va commencer. J'attends vos partages, on va commencer bien-aimé, que Dieu vous bénisse, shalom, shalom tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, veuillez partager, puissions commencer, merci beaucoup, excusez-moi, je vais baisser ça un peu, voilà. Alors que Dieu vous bénisse, veuillez partager. Shalom, 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 shalom. Shalom tous les enfants de Dieu, shalom à tous ceux qui sont là. Sur votre vie, partagez et invitez parce que je vais toucher un thème ce soir qui a un thème de délivrance, surtout pour ceux qui sont en couple ou ceux qui ne savent même pas dans quel couple ils se trouvent. Dans quelle union il se trouve, deux fois ta vie se détruit à cause de quelqu'un. Deux fois c'est quelqu'un qui détruit ta vie. Mais tu t'entêtes parce que, en fait, tu crois que si tu changes de vie, tu ne seras plus rien. Alors, et partagez ce direct, partagez-le massivement pour qu'on puisse en bénéficier. Ce message va délivrer beaucoup de personnes. Ce message va délivrer beaucoup de personnes. Que Dieu soit avec vous. Je vais encore mettre un cantique parce que nous n'avons pas encore atteint 100 vues. Alors, je pense que je vais attendre un peu. Donc, je vais quand même... voilà. Vous likez, hein, je vois vos likes. Vos likes sont vraiment vous likez. Mais n'hésitez surtout pas de partager dans vos groupes. Voilà. Le partage est très important. Dans vos groupes, par Messenger. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Et je profite pour faire en même temps ma petite annonce. Pour ceux qui me contactent, et puis souvent ils voient que je les envoie balader, mais je leur dis d'aller vers la secrétaire. C'est comme ça qu'il faut faire. On est obligé de s'organiser, sinon on ne peut plus rien faire. Donc, voilà, allez-y. Maintenant, si vous avez un cas très urgent, laissez un message audio, surtout sur WhatsApp. Parce que quand vous appelez sur le numéro normal, quand je ne connais pas votre numéro, j'ai du mal à rappeler ou à décrocher. Donc, laissez un message audio sur WhatsApp ou un message. Si c'est urgent que je dois vous appeler, tout de suite, je vais vous appeler. Si je dois vous conduire aussi vers la secrétaire, je vais vous conduire. Mais ce que j'ai l'habitude de dire, c'est en fait, prévenez au moins avant d'appeler. N'appelez pas comme ça. Vous vous levez, vous appelez, vous voulez prendre 10 minutes, 30 minutes pour parler avec l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu est peut-être prier pour quelqu'un. Il ne va pas arrêter ce qu'il est en train de faire pour parler avec vous.
Donc voilà, j'espère que certaines personnes me comprennent. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre une louange et puis on va continuer. Est-ce que je peux mettre un cantique ivoirien? Partagez, partagez, on va commencer. Je ne l'ai pas.
Excusez-moi, comme vous ne partagez pas, moi je vais danser un peu avant de commencer. La vieillesse, elle n'a pas qui dansait bien avant. Ouh, vous partagez pas, moi je danse, hein. C'est mieux de danser que de crier. On va commencer. Thank you.
Vous avez chopé mon moteur, on va commencer. Ça est béni. Il y a longtemps, je n'ai pas dansé, dansé un peu. On commence à vieillir, on ne peut plus danser comme avant. On fait comment? Sinon, il y en a un peu, hein? Il y en a un peu dans le corps là. Alors ce soir, le thème c'est qui partage ta vie? Ta vie avec qui tu vis? Qui partage ta vie avec qui tu vis? Oh my Lord! La plupart de nos problèmes ne dépendent pas de nous-mêmes, mais des personnes avec qui nous vivons, des personnes qui sont autour de nous, des personnes que nous avons acceptées, des personnes que nous chérissons, des personnes que nous protégeons. La plupart de nos souffrances ne viennent pas de nous-mêmes, mais des gens à qui nous avons donné notre cœur. Il y a des choses que tu n'allais pas subir dans ta vie si tu n'étais pas avec quelqu'un. Si tu n'étais pas de cette famille. Si tu n'étais pas l'ami de telle ou telle personne. Il y a des choses que tu n'allais pas subir si tu n'étais pas dans cette maison. Auprès de telle personne. Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. T'inquiète pas. Deux fois, je dis je suis maudit, maudite. Deux fois, tu dis non. Je ne peux pas me marier. Mais moi là-même, rien ne va avancer dans ma vie. Mais ça dépend des amis que tu as. Ça dépend des copines que tu as. Ça dépend de qui est ton confident. Ça dépend avec qui tu vis, tu te promènes, tu partages ta vie, tu partages ton existence. Quand tu as des projets, à qui est-ce que tu racontes? Quand tu as des projets, à qui est-ce que tu racontes? Des fois, tu fais confiance à une personne avec qui tu couches, avec qui tu dors. Tu crois que c'est ton meilleur ami, c'est ton camarade, c'est ton mari. Hey, oh, c'est lui ta destruction. La femme avec qui tu couches là, qui va t'amener vers le bonheur. Tu ouvres ton cœur. Ce que tu n'as jamais dit à ta mère, tu lui dis. Ça fait du bien de danser, ça enlève les graisses. Je suis bien là, on va parler. Des problèmes. Même d'autres sont partis à la mort. Tout simplement parce qu'avec la mauvaise personne ou ces personnes partageaient leur vie avec la personne qu'il ne fallait pas. Une femme peut perdre toute sa destinée jusqu'à mourir parce qu'elle a rencontré le mauvais homme. Un homme peut perdre toute son histoire, ses projets, sa vie parce qu'il a rencontré la mauvaise femme. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais il y a beaucoup d'unions qui ne viennent pas de Dieu. Wow. Je suis à l'aise ce soir. Je suis à l'aise. Excusez-moi, je vais porter mon chapeau parce que ce soir, ce n'est pas réunion de prière. C'est des conseils que je vais vous donner. Donc, je vais me mettre à l'aise. Parce que j'ai trop de lumière, ça me dérange un peu. Donc ce soir, permettez-moi de porter mon chapeau tranquillement. Personnes qui critiquent tout quand ils savent pas, c'est pas grave, mais tant que je me sens à l'aise dans ce que je fais, gloire à Dieu. Voilà,
Il y a une lumière qui me projette trop. Et porter mon chapeau, ce n'est pas prière aujourd'hui, ce n'est pas prière. C'est le message qui doit changer ta vie. Donc tu écoutes. Ce n'est pas comme si on est à l'église. Ok? Quand tu lis la Bible, frère, quand tu lis la Bible, ma soeur, tu vas remarquer que dans Genèse chapitre 4, quelqu'un va m'écrire Genèse chapitre 4. Il y a une personne qui va perdre sa vie à cause de son propre frère. L'histoire de Caïn. Caïn est mort parce que Caïn faisait confiance à son frère. Qui a tué Caïn? C'est pas les ennemis de, qui sont venus de, d'un endroit quelconque. Caïn est mort, Abel est mort du moins par son frère. Je vais vous dire, certaines personnes ne lisent pas la Bible, donc on va les aider. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je rectifie parce que je me suis trompé tout à l'heure. C'est Abel qui est mort, ok? On continue. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Donc, qui a tué Abel? C'est Caïn. Qui a tué Abel? Caïn. Et Caïn était le frère de Abel. C'est pas quelqu'un qui est venu rentrer dans la famille pour tuer Abel. C'est Caïn lui-même, son propre frère Caïn, qui va tuer Abel. Or, Abel a mis sa confiance en Caïn. Abel a donné son cœur à Caïn. Abel ne se méfiait pas de Caïn. Si Abel se méfiait de Caïn, il ne serait pas allé dans les champs avec lui. Il ne serait pas allé quelque part avec lui. Quand tu te méfies de quelqu'un, tu ne te promènes pas avec la personne. Quand tu te méfies de quelqu'un, tu évites même de manger avec la personne. Quand tu te méfies de quelqu'un, tu évites la personne. Mais c'est quand tu ne te méfies pas de cette personne, tu peux dormir à côté de ton cœur. Tu peux lui dire tout ce que tu peux raconter toute ta vie. Mais en général, ce sont ces personnes souvent qui nous détruisent. Oh! Genèse chapitre 4, vous pouvez lire après. Moi, je continue. Je continue. Je ne suis pas encore arrivé dans le texte que je vais prendre aujourd'hui. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que notre père Abraham avait un neveu. Ce neveu s'appelait Lot. Dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Vous pouvez lire tout le chapitre. Vous allez voir que dans ce livre, dans cette histoire, Dieu appelle Abraham. Dieu lui dit, va dans le lieu que je te montre. Mais Abraham, en partant, va avoir... C'est-à-dire qu'il a tellement d'amour, il a tellement de compassion, il va prendre son neveu avec lui. Il dit à son neveu, viens avec moi, là où je vais là. Si c'est bon, c'est pour nous tous. Donc son neveu va se lever pour suivre l'oncle. Mais nous comprenons que le neveu qui suivait l'oncle ne suivait pas l'oncle par amour. Il y a des gens qui sont avec toi, ce n'est pas par amour, c'est par intérêt. Il y a des gens qui sont avec toi, c'est par intérêt. C'est ce qui les arrange qu'ils sont en train de chercher. Quand ils auront ce qu'ils veulent, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Oh, c'est pourquoi prie beaucoup que Dieu te donne le discernement. Teste les gens qui viennent auprès de toi. Teste leur comportement. Teste-les. Souvent, fais exprès pour les tester. Oh, alléluia. Ah. Vous comprenez? Donc, Lot s'élève. Lot suit son oncle. Quand son oncle dit, hey, Lot, va me couper ça, il s'en va. Nettoie ici, il s'en va. Va me faire telle chose, il s'en va. Hey, Lot, est-ce qu'il y a de l'eau dans la barrique? Vas-y, Lot, tu peux laver mon pantalon? Il lave.
Mais pendant que Lot était en train de faire tout ça, Lot se disait dans un jour je l'aurai, un jour je me vengerai, un jour je serai riche comme lui, un jour je prendrai toute sa richesse. En fait, le but de Lot, c'était quoi? Lot savait que Abraham n'avait pas d'enfant. Je vais vous expliquer ça. C'est un petit réma. Je vais vous donner ça. Quand Lot a suivi Abraham, Lot savait que Abraham n'avait pas d'enfant, parce que Sarah était vieille et que Sarah ne pouvait pas enfanter. Donc Lot, en les suivant, s'est dit dans la tête, de toute façon, je serai l'héritier de ce monsieur un jour. Tout ce qu'il a là, c'est pour moi. Son troupeau, ses serviteurs, sa richesse, tout est pour moi. Il est vieux, sa femme est vieille, ils n'ont pas d'enfant, ils n'ont pas d'héritier. C'est moi le neveu Lot, je vais tout prendre. Tu as des fois pris quelqu'un pour mettre dans ta maison, tu dis je vais l'aider, c'est lui qui va te tuer. je suis en train d'avancer, hein, avant d'arriver dans les couples. Je vous donne juste quelques petits détails, puis j'arrive. Vous comprenez? J'ai dit partager ce direct. Donc Lot se dit, ils n'ont pas d'enfant. Vous savez depuis quand Lot a commencé à mal se comporter et à préparer son départ? C'est quand Lot a vu que Abraham passait tout son temps à prier Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Lot a commencé à se dire dans la tête, si je ne quitte pas ce monsieur et qu'un jour Dieu fait un miracle et qu'il a son enfant, je vais tout perdre. L'enfant va tout prendre. Mais moi, Lot, j'ai fait tout ça pour rien. Je l'ai suivi pour rien. Donc, la tête de Lot a commencé à changer. Le cœur de Lot a commencé à changer. Lot a commencé à se dire, il me faut mon troupeau. Il me faut mes serviteurs. Il me faut mon bétail. Il me faut ceci. Ce n'était pas... Il était sorti au début avec Abraham. C'était un Lot maintenant qui se rendait compte que de toute façon, il risque de ne pas être l'héritier. Parce qu'Abraham voulait tellement un enfant, donc il fallait maintenant qu'il cherche une autre solution. Oh, 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 oh. Ouh, la parole est sucrée, hein? Ben, je ne prêche pas aujourd'hui, je conseille, donc ça va. Donc, Lot commence à changer. Lot commence à préparer son coup. Mais Abraham était rempli d'amour. Abraham était bon. Abraham sentait que Lot était bizarre, mais Abraham s'en foutait. Il se dit, c'est mon neveu, c'est pas grave. Un jour, Dieu même dans le ciel va parler à Abraham. C'est pas Abraham qui a pris la décision de se séparer de Lot. C'est Dieu qui prend la décision de dire à Abraham, Abraham, si tu veux réussir, si tu veux avancer, Abraham, si tu veux que tout ce que tu m'as demandé se réalise, chasse Lot. Attaquez. Mettez vos cœurs. Moi, je ne sais même pas pourquoi ils attaquent. Pourquoi vous êtes jaloux comme ça même? Vous êtes jaloux, oh, j'avance, mais vous attaquez seulement. Ça vous donne quoi même? Ah, ça fait pitié. Jalousie, c'est une maladie. Hein? Ne soyez jamais jaloux. Donc, c'est Dieu même qui prend la décision de venir dire à Abraham, Abraham, sépare-toi de Lot. Il faut que tu te sépares de lui. Donc, Abraham appelle Lot. C'est Genèse chapitre 13. Hein? Vous pouvez écrire et puis lire chez vous. Abraham appelle Lot et Abraham dit à Lot, mon petit, regarde tout ce qui est là. Regarde ici aussi. Choisis où tu veux aller. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Donc Abraham, tellement gentil, tellement bon, va. Il va donner, comment on appelle ça? Le choix à l'autre. Ce n'est pas Abraham qui décide. Il est bon. Il dit, prends ce que tu veux. Et puis l'autre va choisir là où il y a la verdure, tout ça. Il va montrer son sang de caractère. Mais remarquez une chose, ce que je vais vous dire, c'est quand l'autre est parti,
que dans Genèse, chapitre 15, Dieu va venir promettre à Abraham que ce qu'il a demandé va se réaliser. Tant qu'il y avait Lot, ça ne pouvait pas se passer. Il y a un Lot dans ta vie. Il y a un Lot dans ta vie qui t'empêche d'avancer. Tu pries depuis longtemps. Dieu est prêt à te donner tout ce que tu veux. Mais Lot est là. Et dès tant que Dieu voit Lot, parce que Dieu ne va pas venir te donner quelque chose que tu vas partager avec Lot. Ce n'est pas possible. Dieu veut que Lot sorte de ta maison. Dieu veut que Lot sorte de ton environnement. Dieu veut que Lot sorte de ton histoire. Donc, il y a des choses que Dieu veut te donner. Mais Dieu remarque que Lot est là. Lot là, Dieu voit son cœur. Dieu dit non. Elle m'a demandé un enfant, je vais lui donner. Mais le mari, le monsieur avec qui elle est là, ne l'aime pas. Donc, je ne peux pas donner un enfant pour que ce monsieur là, demain, il dise c'est mon enfant, il va venir la fatiguer. L'élévation. Mais si je lui donne l'élévation, des gens qui sont autour d'elle, surtout le monsieur qui est couché dans son lit, là, il l'aime pas. Il a plusieurs copines, il a plusieurs femmes. Quand elle va commencer à avoir l'argent, demain il va faire quoi? Il va dire chérie, je t'aime, chérie, je viens, il va la tuer. Il va la tuer pour prendre tout son argent. Donc je ne donne pas l'argent. Il faut que ce monsieur parte d'abord. Oh, je peux continuer à pousser. Mettez vos likes et partagez. J'ai des choses sucrées à vous aujourd'hui. Oh. Oh, Rabashakabaya. Combien de fois nous avons raté beaucoup de choses? Parce que nous avons pris un lot pour mettre dans notre lit. Nous avons pris un lot pour mettre dans notre salon. Nous avons pris un lot pour mettre dans notre voiture. Nous avons pris un lot pour mettre dans nos activités. Nous avons pris un lot pour mettre dans notre entreprise. Nous avons confié nos affaires à un lot. Nous avons confié nos projets à un lot. Oh! Eh, Lot! Son esprit est vilain, oh! Je continue. Vous pouvez lire ça en Genèse. Hein? Dans Genèse chapitre 13. C'est quand Abraham a chassé Lot, il a dit à Lot, va-t'en. Que Melchisédek est venu apparaître à Abraham. Melchisédek ne peut pas venir vers Abraham s'il y a Lot. L'esprit de prophétie, la grâce prophétique, la bénédiction prophétique ne peut pas venir vers toi et s'accomplir tant que Lot est là pour barrer le chemin. Demande à Dieu de te dire qui est ton Lot. Je continue. Quand vous lisez, j'ai sauté quelque chose. Après Lot, il y avait quoi? Dans Genèse 16, je ne vais pas sauter, mais je suis à côté. Dans Genèse 16, vous allez voir une autre femme. Elle était avec Abraham. Elle était avec Sarah. Elle s'appelait Agar. Agar, oh, Agar. Agar. Et j'aime trop l'esprit d'Agar. C'est un esprit bizarre. Agar était comme la servante qui est dans ta maison, mais qui envie ton mari. Agar, quand ton mari vient du travail, Agar dit, c'est la jolie. Lui là, si il peut me toucher un jour. Il dit que Tati n'est pas là la même. Je vais porter tel habit. Comme ça, quand il me voit, Agar a des grosses poitrines. Agar tout. Agar va commencer à porter des décolletés dans le salon. Agar va commencer à faire le ménage avec des petits shorts. Agar. Agar. Agar là, tu peux la ramasser dans la rue. Elle n'a rien à manger. Tu la vois à la maison. Tu la nourris, tu la loges. Un jour tu reviens, elle est en train de taper ton mari. Genèse chapitre 16, Agar. Agar. Agar était avec Abraham et Sarah. Quand Sarah dit à Abraham, tu peux aller avec la servante. Et puis Abraham s'est précipité, il s'est pressé pour partir. Vous savez combien de fois Agar a préparé son plan depuis longtemps? Vous croyez que c'est Sarah qui s'est levée comme ça? Et puis il a dit, hey, non! Agar bougeait ce qu'il fallait bouger. Agar montrait ce qu'il fallait montrer. Des fois, elle donne de l'eau à Abraham, mon Seigneur. Mon Seigneur.
Quand Abraham commençait déjà à aimer Agar, Sarah, les femmes savent les choses, les femmes voient, même si elles ne parlent pas. Donc Sarah, deux fois Sarah assise, et puis elle regarde, elle dit, c'est elle là. Moi, je suis vieille maintenant. Ce qu'elle fait là, ça là c'est mon mari, mais elle fait comment? Elle regarde, et Abraham a été rigolé, la fille là-bas, on dirait qu'il l'aime. Abraham n'appelle pas les autres servants si ce n'est pas Agar. Agar, tu peux m'envoyer un peu d'eau. Hey, ma petite Agar. Donc, un jour, Sarah s'est levée et dit, Abraham, moi-même, je sais que tu es ma gare. Donc, comme je ne peux pas faire enfant, faut faire en même temps. Faut faire en même temps. Bah, il n'a pas dit le mot. Hein? Faut faire. Faut faire en même temps. Un enfant, moi, je prends l'enfant, c'est mon cadeau. Et puis, voilà. Sinon, ce n'est pas venu comme ça. Hein. C'est pas parce que Sarah s'est levée un matin et dit, je vais parmi les servantes à qui Abraham peut prendre. Non, c'est parce que Sarah savait que quand elle allait proposer à Abraham, Abraham allait sauter dessus. Abraham n'allait pas dire non. La seule chose qui maîtrisait Abraham, c'était la crainte. C'est-à-dire que Sarah se fâche. Donc, il attendait l'occasion. Sarah voyait tout. Donc, Sarah a dit, bon, si c'est comme ça là, faites en même temps et puis donnez-moi un enfant. Et il y a des agas comme ça. Qui est dans ta maison? Avec qui tu vis? Tu vis avec qui? Tu peux aller prendre une jeune fille au village. Elle n'a jamais porté pantalon massif, tout ça dans sa vie. Tu la mènes à la maison, tu la laves, tu la nettoies, tu lui donnes l'argent. Elle ne s'est même pas préparée sur gaz. Tu lui apprends tout. Mais ce que tu ne savais pas, c'était que c'était ta remplaçante que toi-même tu as fabriquée. Et peut continuer, liker et protéger le direct. Et je vous donne des exemples avant d'aller dans mon but. Donc, connaissons aussi l'histoire de Joseph. Joseph vivait avec des gens qui ne l'aimaient pas. Joseph vivait avec ses frères. Mais les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Il y a des pasteurs qui sont dans des pasteurs. En croyant que tous les pasteurs avec qui il est mon frère, mon collègue, mais il t'envie. Il envie ton onction. Il envie ta prédication de personnes qui te suivent. Il envie la grâce qui est sur toi. Toi, tu crois qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. C'est pourquoi moi, il tient. Fédération, communauté, groupe, gna gna gna. Je suis un vieux. Je fais mes petits pas tout seul, comme un coyote, et puis j'avance. Il y a vie claire dedans. Association de gouros. Association de bété. Association de baoulé. C'est dans ça même on t'a tué. C'est dans ça ton argent a disparu. C'est dans ça ta grâce a disparu. Moi, il y a des gens qui me font pitié. Tu as quitté l'Afrique. Tu as lutté. Tu es venu travailler deux fois aux États-Unis, en France. Au lieu de te concentrer sur ton avenir, tes enfants et tout ce que tu veux, c'est l'association qui t'a mangé. Matin, midi, soir, on dit, n'y a quoi, et moi. Association, ceci, association, là. Tout ça, pourquoi? Tu te dis, un jour si je meurs, ils vont prendre mon corps pour aller au petit. Tu es mort déjà, ça fait quoi même? Quand tu es mort, tu es mort. Si on t'entend ici, ça fait quoi? Et on dirait que je vous fais du bien ce soir. Oh, ces petites danses que j'ai fait là, ça m'a mis à l'aise. Il y a des gens qui aiment trop camarades, amis, communauté, groupe. Quand on dit à tel groupe, on dit à tel coin, il y a telle association, on t'empoisonne, on t'envoûte, on te critique, on est jaloux de toi, on t'envie, on fait des choses contre toi, mais tu es là, on dirait mazo.
Tu es devenu mazo. Tu sais que où tu es là, les gens ne t'aiment pas. Mais en fait, comment? On essaie des frères ivoiriens. En fait, comment? C'est mes frères bété. C'est mes frères baoulé. C'est mes frères doulé. Je crois que eux, ils t'aiment. Ne pense pas à ta vie. Cherche des gens pour te suivre. Tu vas voir. Je vous dis une chose. Hein. C'est les gens qui te suivent là. C'est eux qui vont te faire du mal. Moi, je connais un pasteur qui a des problèmes actuellement. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Quelqu'un qui a exposé toute sa vie, il est juste une mère des gens. On dit, il vole, on dit, pasteur, c'est bien. Il tue, on dit, pasteur, c'est bien. On dit là, c'est qui a problème? C'est lui. Ceux qui l'ont encouragé sur les réseaux sociaux, ils sont où? C'est eux qui ont problème actuellement. C'est pourquoi moi, tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu. C'est comme ça la vie. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Je bénis les pasteurs jaloux, je bénis les brouteurs et je bénis tous ceux qui attaquent mes directs. Je me délivre de l'esprit de jalousie. Voilà. On avance. Donc, Joseph faisait confiance à ses frères. Mais ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont jeté dans un puits. Ce sont les frères de Joseph qui sont allés mentir à leur papa pour dire que leur frère est mort. Des fois, c'est celui que tu appelles mon frère qui va te tuer. Des fois, c'est celui que tu appelles ma soeur. Elle te regarde. Et ma soeur, mon mari là. C'était un sac Gucci. Il dit, on va faire le tour du monde bientôt. On va faire croisière. Tu es là, tu racontes ta vie. Elle est contente. Elle est en train de se dire, c'est là le jour que je vais avoir l'occasion, il l'empoisonne. Le jour que je peux l'attacher sur le marabout, je le fais. Le jour que je peux arracher son mari, je vais l'arracher. Ouais. Attire normal, dès que je me mets là pour commencer mon direct, tous les démons de la terre sortent pour attaquer mes directs. Coupe, des prières, des directs, mais ça va s'arrêter un jour. Parce que Dieu a son temps. Les gens ont payé un à un. Dieu, ça va se calmer. Ne vous pressez pas. Ma copine, j'ai eu un nouveau là. Un nouveau. Vraiment mon fiancé là. Il est déjà. Il dit le 18, il va aller voir ma famille pour payer la dot. On va vivre ensemble. Oh, mais il est trop riche. Oh, il est trop beau. Mais pendant que tu es en train de dire tout ça là, tu es en train d'arrêter tout. Parce que celle qui écoute là, tu ne sais pas si c'est une bonne personne. Tu ne sais pas quel démon tu as avec elle. Tu ne sais pas quel. Tu ne sais pas si elle t'aime vraiment. Wouh, 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 wouh. Les frères de Samuel, de Joseph, l'ont vendu. Maintenant, je vais aller dans une histoire qui me plaît. Mais avant d'aller dans cette histoire, je vais parler des autres histoires. Comme ça, je reviens puis je termine par cette histoire parce que ça parle de couple. Je vais rester dans couple pour terminer. Donc, on va avancer. Vous allez lire. Dans Deux Rois, le chapitre 5, vous allez voir l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Géasi. Il y a des Géasi qui nous suivent. Il y a des Géasi qui suivent des pasteurs, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Peut-être que tu es trop jolie. Tu as une qui n'est pas trop jolie. Elle n'est pas jolie comme toi. Elle te suit, c'est ton Géasi. Excusez-moi, hein? Je voulais juste dire la vérité. Géasi était avec Élisée. Mais Géasi, son cœur aimait la gloire. Son cœur aimait l'argent. Élisée va prier pour que. Il n'a même pas prié même. Il va s'occuper de Naaman. Naaman est guéri. Naaman fait des offrandes à Élisée. Hein? Marquez 2 Rois 5.
Vous allez lire, parce que moi je ne lis pas beaucoup aujourd'hui. Élisée refuse. Mais vous savez ce qui se passe? Géasi se cache derrière. Et puis il va mentir. Et puis il dit à Élisée, il dit à Naaman, c'est mon maître qui m'envoie. Là. Il dit, Élisée lui a dit, la lèpre qui est partie là, ça va revenir sur toi. Vous avez des Géasi comme ça. Hein? Tu as fait salon de coiffure, tu l'as mis dedans, elle est Géasi. Tu as fait des affaires, tu lui as confié, elle est Géasi. Il y a des Géasi auprès de nous, souvent on ne sait pas. Ils ne nous aiment pas. C'est notre portefeuille qu'ils aiment. Regardez, je vais vous donner comment vous allez remarquer les, Géasi. Un jour, je vais prêcher sur Géasi. Les Géasi, Géasi. On va parler de Géasi. Il a diminué ma musique. Les Géasi, c'est des gens, quand ils les présentent à quelqu'un, ils deviennent les meilleurs amis avec la personne que tu as présentée plus que toi. Il faut remarquer que c'est un Géasi. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Tu lui as présenté un ami. Il est attaché à l'ami là. Il l'appelle matin, midi, soir. Il est tout le temps. Ça dit qu'on dirait que c'était son ami, mais puis lui t'a présenté. Ça, c'est Géasi. Tu l'as présenté ton fiancé. Ton fiancé même l'appelle plus qu'il t'appelle. Tu l'as présenté ton meilleur ami. Ton meilleur ami là, on dirait qu'ils sont camarades plus que toi. Jusqu'à ton meilleur ami le prend la personne comme confident. C'est Géasi, fais attention. Les Géasi. Faut présenter quelqu'un à Géasi, tu vas voir. Géasi va tout faire pour être le meilleur ami de la personne. C'est l'esprit de Géasi qui est comme ça. Dès que tu dis, bon, j'ai rendez-vous avec le ministre. Géasi va tout faire pour que le ministre l'appelle plus que toi. J'ai rendez-vous avec le président. Géasi va tout faire pour que le président l'appelle plus que toi. Mais Géasi ne te dira pas qu'il ne t'aime pas. Géasi ne te dit pas qu'il t'envie. Géasi ne te dira pas que c'est à cause de tes connaissances, ton argent, tes trucs. Mais Géasi va être à côté. Quand il a l'occasion, confie ta carte bancaire à Géasi, tu vas voir. Géasi va vider ton compte pour fraya. Géasi. Méfiez-vous. Hein? Si tu as présenté des gens, et puis après, faut te dire déjà que c'est l'esprit de Géasi. Faut même pas insister, faut couper la relation. Pardon, ils t'ont loupé. Quand vrai bonbon va venir là, ils vont te dire même. Oh, je vais continuer, parce que sinon, il prend trop de temps. C'est sucré, mais on va avancer. Avant de revenir dans mon histoire de couple, je vais parler d'une dernière personne. Et le bras droit Judas. Judas. Et Judas. Judas. Luc chapitre 22, à partir du verset 47. Vous pouvez lire après. Luc 22, à partir du verset 47. Quand tu lis l'histoire, tu as l'impression que Judas, quand Jésus est assis, c'est lui qui est collé. Quand Jésus met sa main dans l'assiette, il met. Des fois même, il est sur la bouche de Jésus. Maître, on dirait que tu as un peu de poisson ici. Hein? Attends, je vais t'enlever un cheveu. Un cheveu qui tombe là. Mais quand tu as mangé, tu as bu de l'eau même. Tiens. Ça l'a fait attention. Hein? Poisson là, il y a trop d'os dedans. Fais attention. Judas. Judas fait tout pour avoir ton cœur. Judas. La Bible dit, c'est celui qui met la main avec moi dans le plat. Celui qui est en train de mettre la main dans le plat là, c'est lui qui va me livrer. Judas. Les autres sont assis là-bas comme ça. Judas, il est collé. Oh Seigneur. Il était tellement. Il a tout fait qu'on lui a confié la trésorerie. Tellement il a cherché à prendre la confiance de tout le monde. C'est Judas qui gardait l'argent. La Bible dit que Judas volait. Mais on ne sait pas qu'il vole. Tellement il est malin. Et puis tellement il a l'argent.
Tout le monde disait que Judas était propre, Judas était saint, Judas était pur. Quand Judas dit, oh Judas seulement, lui ne peut jamais trahir quelqu'un. Et Judas, il est en train de nettoyer les chaussures de Jésus là-bas. Et Judas, il est en train de faire les comptes, mais les faux comptes. Seigneur, tu sais, tel jour, il y avait ça, mais j'ai rajouté ça, et puis il y a ça. Oh Judas, c'est bien Judas. Oh non, tu es quelqu'un de bien. Si tu n'étais pas là, on va faire quoi même. Judas. Si Judas est dans l'église, il cherche à être le plus proche du pasteur. Si Judas est dans l'église, il veut que tout le monde dise que c'est lui qui est, c'est lui qui fait tout. Quand le pasteur n'est pas là, c'est lui, Judas. Judas va dire à la trésorière, j'espère que tu travailles bien. Non, il pas bien nettoyer les chaises. Il veut même jouer le rôle du pasteur. Faites bien, quand le pasteur va venir, il faut qu'il dise, Judas. Le vieux, je t'aime trop. Je t'aime. Tu manges, le vieux. Ça, c'est Judas. Il y a des Judas comme ça. Papa, tu prêches. Pousse, annonce. Attire normal. Papa, accélère. Il prend foulard. Il touche. Le vieux, attends, il te souffle un peu. Ventilateur sur ton corps. Mais le jour que Judas va se réveiller, ça sera par un petit baiser tout simple. Judas n'est pas violent. Oh. Judas est malin comme le serpent. Judas, c'est pas avec force. Il vient te faire et puis c'est fini, tu gars. Il vous a donné beaucoup de choses, non? Maintenant, je vais retourner dans mon histoire qui m'intéresse aujourd'hui. Quelqu'un peut écrire 1 Samuel chapitre 25. Pendant que vous regardez le direct partagé, pendant que vous regardez le direct, likez, protégez ce direct, encouragez-moi à vous donner toujours de bonnes choses. Partagez dans vos groupes, chez vos amis. Il y a des paroles qui ne sortent pas de la bouche de n'importe qui. Tout le monde n'a pas la bouche autorisée. Donc quand quelqu'un a une bouche autorisée et que vous amène quelque chose au temps convenable, encouragez et likez. Tous ceux qui veulent m'appeler, regardez sur le direct. Il y a le numéro de la secrétaire qui circule. Tous ceux qui veulent regarder mes vidéos sur YouTube, il y a le lien qui est là. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, il y a le lien qui est là. Abonnez-vous, participez, partagez sur YouTube. Voilà. 1 Samuel 25. Ouh, on va parler un peu. 1 Samuel 25. À partir du verset 1, comme je vais lire, là, je rentre dans quelque chose, j'ai enlevé mon chapeau un peu. Samuel mourut. Tout Israël l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva, descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, et il était riche, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens. Hey, Abigaël, c'est vous comme ça l'on sacrifie là, Abigaël. C'est vous comme ça l'on livre pour des sacrifices humains, on vend vos organes. Abigaël, toi-même tu sais que Nabal n'est pas bon. Tu as fait quoi avec lui? Hey, Abigaël, il est prêché. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur, il était dur, il était méchant. Abigail sentait les belles, mais il est là. Hé, hey, Abigail, viens ici. Avec ton visage, on dirait. Je ne sais pas quoi là. J'ai tapé les hommes, tapé ici. Hé, hey, Nabal. Abigail était douce, gentille, aimante, sage. Mais Abigail est tombée sur Nabal. Abigail est tombée sur la mort. Abigail est tombé sur celui qui a bloqué sa vie. Abigail est tombé sur quelqu'un qui ne pourra jamais la faire avancer. Mais Abigail est là, comme il a l'argent,
comme il a des connaissances, comme on a déjà fait des enfants, il a fait comment? C'était une femme de bon sens et belle de figure. Oh! Mais l'homme était dur, il était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? » Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David reboussaient chemin et ils s'en retournaient et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de son sein, de vous sein, pardon, son épée. Et il saignit chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montaient à la suite. Il en resta 200 près de bagarre. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël. Abigaël, tu l'as sauvé. Abigail, tu sauves toujours Nabal. Mais Nabal ne se rend pas compte que c'est toi qui le sauves. Nabal ne se rend pas compte que c'est à cause de toi les gens le... Oh, Abigail. Moi, je parle... Femme de Nabal, voici David envoie du désert des messagers pour saluer notre maître qui... Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont pas et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi des murailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as fait, car la paix de notre maître et de toute sa maison est résolu. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtait 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Et elle les mit sur les ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi. Je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal. Tu as dit quoi à Nabal? Nabal va te frapper même. Toi, tu vas parler à Nabal pour dire que tu prends son père pour aller donner à David. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin ouvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien.
que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle l'âme tomba sur face en présence de son contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, Nabal, toujours c'est toi qui prends la faute. Hein? À moi la faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de Dieu. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Son nom, ça veut dire soulard. Son nom veut dire méchant. Son nom veut dire arrogant. Son nom veut dire quelqu'un qui frappe les gens pour rien. Nabal est son nom. Et il y a celui de la folie. Il est fou. Il faut le laisser voir. Il est bête. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Parler jusqu'à... Je ne vais pas tout lire. Verset 32. David dit à Abigaël, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Il dit, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté que ce soir à Nabal, d'ici la lumière du matin. Arrêtez là. Et même ma Bible de côté, on peut en causer. J'ai fini de lire et reporter mon chapeau. Maintenant, il vous regarde. Voilà l'histoire qui m'intéresse aujourd'hui. Il y a des gens, tes parents t'ont mis au monde. Toi-même, tu ne te considères pas. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu prends miroir, tu te regardes comme ça. Tu es belle. Mais quand tu sors, tu ne te trouves pas belle. Surtout les femmes. Le problème des femmes, c'est quoi? C'est que les femmes, surtout les femmes africaines, il y a quelques autres races dedans, mais surtout les africaines. Le problème des femmes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. On a mis dans leur tête, elles se sont mis dans leur tête que c'est l'homme qui doit les donner à manger. Que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Que c'est l'homme qui est tout. Et que, ça dit qu'elles ont 10 doigts. Elles n'apprennent même pas à faire quelque chose avec leurs doigts. Il y a des femmes qui n'ont même pas encore économisé même un centime de quelque chose pour mettre de côté. Pour dire si un jour ça ne va pas au moins, je peux m'en sortir. Je peux aider mes enfants. Du matin au soir, elles comptent. Mais l'homme, c'est un homme. Il peut te quitter demain pour une autre femme. Il peut mourir. Il a une vie sur terre. Mais après, et mon mari m'a dit, je n'ai plus rien pour me dire. Parce que tu comptais seulement sur le salaire de ton mari. Je ne fais que commencer. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais un couple qui est uni par Dieu,
C'est un couple dans lequel se trouve la paix. Je m'appelle Atia normal et puis pâle. Tu dis tu es en couple, tu ne dors pas. Tu es en couple, tu as commencé à avoir ulcère. Tu es en couple, tu es dans le couple là. Donc tu ne te comprends plus. Tu vis avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu vis avec quelqu'un qui te maltraite. Tu vis avec une femme, tu sais qu'elle te trahit. Tu vis avec un homme, tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais tu es là. Si je quitte, on va dire que... Si je quitte, on va dire que... Bon, comme il a un peu d'argent, donc ça, là, il a beaucoup de connaissances. Oh, mais lui, il est comme ça. De toute façon, il est bête, mais c'est pas grave, je l'accepte comme ça. C'est là, un jour, on te tue. C'est là, un jour, on te jette du balcon. C'est là, un jour, on te fait sacrifice humain. On vend tes organes pour s'enrichir. La personne ne te considère pas. La personne, ils vont t'envoyer des choses. Oh, Seigneur, pasteur, il m'a déjà trompé une fois, il m'a trompé deux fois. Je connais sa copine, je connais ceci, il y a ça, ça. Mais il faut prier, Dieu va chercher son cœur. Moi, je ne connais pas ce lieu de prière comme ça. On croit, Atian Noma, je ne prie pas pour les choses comme ça. Il faut m'expliquer. Je vais entendre. Et puis, si je sens que c'est l'homme de ta vie et que c'est le diable qui est en train de vous mélanger, je vais prier. Mais si je ressens que c'est pas l'homme et que c'est toi qui es en train de forcer une relation. Bah, oh, j'aime son nez, oh, j'aime sa tête, oh, j'aime son teint, oh, j'aime son ceci. Oh. Et mes copines vont dire quoi? Et que c'est simplement ça qui fait que tu es lié à quelqu'un. Franchement, moi, je ne sais pas prier pour ça. Mais si Dieu me convainc, si je ressens que c'est l'homme de ta vie, je ressens que c'est des gens qui divisent, je ressens que c'est le diable, là, je prie pour toi. Nabal, son nom veut dire quelqu'un qui est bête, qui est méchant. Il a l'argent quand il boit. Quand il se lève là, hey, viens ici, qu'est-ce que tu as? Qui prend ta mise ici? Bah, bah, bah. Oh, je vais enlever mon lion. C'est un lion, c'est pas tête de mort. Oh, ça c'est mes bijoux ça. Vous pouvez critiquer, mais mon petit lion. Moi, je suis un lion. J'ai un caractère de lion. Donc ça c'est l'aigle. Oh, il y a longtemps, je ne les ai pas portés, parce que j'ai maigri. J'ai gêné, puis j'ai maigri. Donc, j'essaie de les reporter un peu. Ah, mon petit lion, reste à côté. Je vais rester à l'aigle aujourd'hui. Hein? Il se lève. Ah, ici. Et tu t'appelles mon petit déjeuner. Il ne te respecte pas. Devant les servants, devant ses amis. Il ne te respecte pas. Il te parle comme si tu es la merde, tu es une poubelle. Mais elle fait comment? On ne trouve pas Mario, on ne trouve pas garçon. Et garçon, là, ça a fini. Maintenant, là même, Dieu a rendu tous les hommes impuissants sur la terre. Lui, là, c'est pour lui là seulement qu'il marche. Et puis, demain, tu meurs. On fait ton palabre sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui ont perdu leur destinée. Elles sont nées pour briller. Elles sont nées pour être merveilleuses. Mais elles se sont prises à un Nabal. Elles ont pris un Nabal. Elles savent que ce n'est pas lui. Elles savent qu'elles vont mourir un jour. Elles savent qu'il va les détruire. Mais elles sont accrochées au pied de Nabal comme si c'est eux qui sont Dieu. Dieu les envoie en mission pour transformer, pour convertir, pour changer. Je vais prier, il va changer. Peut-être Dieu m'a mis là à côté pour le changer. Peut-être que c'est à cause de moi. C'est ta mère. C'est toi qui l'as mis au monde. J'ai la rage quand j'arrive sur cette partie de voir des gens souffrir. Tout simplement parce qu'ils sont trop bons. Ils souffrent parce qu'ils pensent que c'est eux Dieu a choisi pour transformer quelqu'un. Dans un couple, c'est du donnant-donnant. Relation. On appelle ça relation. Je t'aime, tu m'aimes. Je te donne, tu me donnes. Je te fais du bien, tu me fais du bien. C'est ça le couple. Il n'y a pas une seule personne qui est là. Et puis celui qui fait du bien, puis l'autre le tabasse, l'autre fait du mal. Ce n'est plus un couple. Dieu même n'aime pas ça. Sors de là. Dépêche-toi. Ils vont te tuer. Beaucoup de filles, même
les hommes. Hé, hey, pasteur, c'est la mère de mes enfants. Ça, je l'ai rencontré, je sais qu'elle m'aime pas, elle m'a déjà trahi avec, elle m'a trompé avec Roger, elle m'avait trompé avec mon patron, elle m'a trompé avec mon chauffeur, elle avait, mais elle fait comment? Elle fait comment? Et rien n'avance dans ta vie. Tu as des projets, tu as des affaires, tu tournes en rond, dès que tu as ton salaire, je vais acheter le nouveau pain qui arrive, je vais acheter ça, hey, chérie, ma voiture là, il faut changer tout ton argent en train de te disperser, tu peux rien réaliser. Parce que tu es bête. Mais voilà ici. C'est déchargé. Voilà ici. J'ai vécu ma vie. J'ai failli mourir à cause d'une femme dans ma vie, moi. Je lui ai donné tout mon cœur, ma vie et tout. J'ai cru que c'était la femme de ma vie. J'ai cru que c'était la femme de ma vie. Elle me maudissait, j'étais là. Elle m'insultait, j'étais là. Elle dit, elle fait chambre à part avec moi, je suis là. Même pour la toucher dans le lit, on se bat, on dirait, je suis en train de violer femme de quelqu'un. J'étais là. Deux fois, elle se couche, on dirait cadavre. Je lui demande pardon jusqu'à... J'étais là. Elle prend ses affaires. Elle va chez ses parents. J'étais là. Elle insulte ma maman. Quand ma maman veut parler, j'étais là. Elle insulte mon grand-père, ma grand-mère. Quand il demande pardon, j'étais là. Quand il y a une délégation qui va chez eux pour dire pardonner, dites à votre fille de revenir. Il aime. Oh. Elle les insulte. Vient, quand elle vient, c'est sans ma part, c'est tu me touches pas, c'est tu es maudit, tu vas jamais réussir dans ta vie, un homme comme toi, jusqu'à un jour elle m'a dit de sa propre bouche, est-ce que tu sais que je t'ai jamais aimé, est-ce que tu sais que je t'aimais pas même, tu dis que tu voulais être pasteur, comme les pasteurs parlent bien de toi, moi je me suis dit tu allais faire quelque chose, mon nom allait sortir, mais t'aimais là, je t'aimais pas, elle m'a dit ça un jour. J'étais là pendant 9 ans. J'ai supporté. Je crois qu'elle va changer tous les jours de ma vie. Quand je me lève, je dis, oh, elle va changer. Je prie beaucoup. Oh, Dieu est grand, elle va changer. Dieu va toucher son cœur. Je n'ai pas envie de changer ma vie. Allez là, oh Seigneur, prends pitié de moi. Je n'ai pas envie de vivre dans le désordre. Je n'ai pas envie de Seigneur, pardon. Jusqu'à un jour, parce que j'étais sérieux. Je ne voulais pas voir ailleurs. Un jour, Dieu va me faire quelque chose. Dieu dit, bon, toi là, si elle ne te montre pas quelque chose, tu vas voir. Dieu fait que je pleurais sur mon sort. Une petite fille est venue me consoler. Papa, pardon, je vois ta souffrance. Je sais que tu souffres, papa, laisse tomber. Dans... Seigneur, aide-moi. Elle m'a attrapé un peu. Je l'ai attrapé un peu. La chair m'a chauffé. Sa chair a chauffé. Au moment où j'ai ouvert mes yeux, je l'avais déjà fini. Il dit, yeah. Donc c'est comme ça qu'on fait et puis on tombe là. J'ai commencé à attraper ma tête. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Pardon. J'ai foutu ma vie en l'air à cause de cette femme. Je ne veux plus vivre dans ça. Couru, je suis allé la voir. J'ai dit, regarde ce que tu m'as fait. Ça m'a pas, tu m'insultes, tu me fais ça. Pendant 9 ans, j'ai tenu. Aujourd'hui, c'est pas ce qui m'est arrivé. Regarde, je suis tombé, je te demande pardon. Change, aide-moi, change. Hé, si elle savait, c'est maintenant que je venais de lui donner l'âme nuisible même pour me tuer. Elle dit, toi, tu n'as rien vu. Tu as venu me demander pardon. Toi, tu crois que moi, je t'aime. Elle se lève ici. Elle va voir telle personne. Il m'a fait ça. Elle va dire, il m'a fait ça. Et il m'a fait ça. Tout ce qu'elle m'a fait, elle ne raconte pas aux gens. Mais c'est... Il s'est confessé, qu'il s'est repenti, qu'il dit qu'il vient juste de le faire. Ça ne fait même pas... Ça dit, ça a été fait peut-être le matin. Il a couru pour aller te dire ça l'après-midi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre dans ça. C'est toi qui peux l'aider à se stabiliser. C'est toi qui peux, mon chéri, c'est de ma faute. Pardon, je te demande pardon aussi. Vous vous réconciliez, vous priez, la vie continue. Non. Non. Non.
Il m'a fait ça. Elle disait jamais aux gens qu'elle faisait chant ma part. Jamais aux gens qu'elle me maudissait. Jamais aux gens qu'elle m'insultait. Jamais aux gens qu'elle insultait ma mère. Elle prenait ses affaires pour aller quand elle voulait pour revenir. Jamais aux gens que ses parents m'insultaient. Mais elle racontait rien. Mais le jour là où j'ai osé être sincère, pur, bon devant Dieu, elle a pris ça comme une âme. Et il y avait des pasteurs, des églises, des gens que j'ai aidés partout. Il n'y a même pas un qui va m'appeler pour dire, viens frère, et te demander qu'est-ce qui se passe. Il dit, ah bon, il a fait ça. Ah bon, il est comme ça. Ah bon. Et puis ils m'ont détruit pendant 10 ans. Pendant 10 ans de souffrance. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Leur vie avançait dans... Mais Dieu connaissait mon cœur. Il savait que j'étais fidèle. Et que c'est quelqu'un qui m'a détruit. Et que personne n'est venu à mon secours. Donc Dieu m'a relevé. Elle est où aujourd'hui? Deuxième femme d'un musulman. Pourtant elle dit qu'elle est chrétienne. Moi au moins, je suis venu me confesser. Mais toi tu vis dedans. Est-ce qu'elle savait qu'un jour j'allais être en France? Est-ce qu'elle savait qu'un jour j'allais avoir ma nationalité, être français? Est-ce qu'elle savait qu'un jour je serais la personne qui suis là? Au moment où elle m'insultait, j'avais rien. Au moment où elle m'insultait, j'avais que les miracles, les délivrances, les guérisons. Mais elle ne savait pas que ma vie allait évoluer. Si quelqu'un est pauvre, même s'il est pauvre, et qu'il t'aime, respecte-le. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir un jour. Même si quelqu'un n'a rien, et que son cœur est attaché à toi, aime-le. Peut-être que c'est lui qui va transformer ton histoire un jour. Trop de gens aiment la gloire, l'argent. Il a une grosse voiture. Oh, il a un compte bancaire rempli. Mais il a une grosse voiture. Il a un compte bancaire rempli. D'accord. Il te frappe, il t'insulte, il te prend comme un chiffon. Donc, à cause de l'argent, tu vas te détruire comme ça. Abigail était belle. Abigail était belle. Elle pouvait avoir tous les hommes. La preuve. Nabal est mort après. Quand Nabal est mort, tellement que la femme était belle, David a pris cette femme pour la marier. Elle était très belle. Elle était belle. Si elle n'était pas belle, David n'allait pas la marier. Nabal est mort. David a pris Abigail pour la... Elle était trop belle. Mais Abigail, malgré sa beauté, était avec un homme pourri. Malgré sa beauté, elle partageait sa vie avec un sorcier. Malgré sa beauté, elle partageait sa vie avec quelqu'un qui n'avait rien à faire d'elle, qui ne la considérait pas. Ses parents lui disent, mais Abigail, on n'est pas d'accord pour cette union. Laissez-moi tranquille. Moi, c'est mon Nabal. Si ce n'est pas Nabal, moi, je ne veux personne d'autre. Il est méchant, oh, c'est mon Nabal. Il me frappe, oh, c'est Nabal. Il m'insulte, oh, c'est Nabal. Il frappe les enfants, oh, Nabal. Il me traite bizarre devant les serviteurs. Les gens, c'est Nabal. C'est pas grave. Vous êtes jaloux. C'est parce que vous n'avez pas Nabal que vous faites ça. Mais Abigail a failli mourir. Elle et tous ses enfants à cause de Nabal. Si elle n'avait pas été sage pour venir empêcher que David arrive, ils allaient tuer Nabal. Ils allaient tuer Abigail. Ils allaient tuer leurs enfants. Ils allaient tuer tout ce qui est chez eux. Et sa vie à cause de Nabal. Avec qui tu vis? Qui partage ta vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'aime? Est-ce que tu as éprouvé son amour? Est-ce qu'il manifeste du respect pour toi?
fois, mieux vaut s'écarter, vivre seul, solitaire, même pauvre, chercher des petits trucs pour manger, que de chercher dans la gloire et mourir pour rien. Je suis plus âgé que ma femme. Mais tellement que je l'aime, tellement que je la respecte, quand des fois elle me parle, j'ai l'impression que c'est ma mère qui me parle. Pourtant, je suis de Dieu. J'ai l'onction. Je suis respecté par des personnes plus âgées que moi. C'est ma petite soeur, c'est mon pépéro, ma femme. Mais quand tu me donnes un conseil ou quand tu parles avec moi, je la respecte. Je ne lui manquerai jamais de respect comme ça en public. Même devant les enfants, j'ai une manière de lui parler. Même quand un enfant est en train de comporter mal avec sa mère, je dis, tu te méfies. Comme toi là. Ta mère t'a dit quoi? Hein? Je ne vais pas dire non parce que je suis le bishop. Parce que ceci. Parce que je suis plus âgé. Et toi, tu dis quoi même? C'est surtout vous les Africains. Il y a des hommes africains qui pensent qu'avoir une femme chez lui, le droit de la maternité, lui donne le droit de lui parler comme une merde. Il y a d'autres même qui sont en... Ils ne travaillent pas. Ils le couchent dans le canapé, dans le salon, télévision, tout. C'est lui qui se sape matin, midi, soir. Oh, c'est les allocations. Oh, c'est la femme qui se lève pour aller travailler. Elle va travailler, nettoyer fesses des vieux blancs, nettoyer les maisons. Elle envoie son argent. Il prend pour s'habiller, pour manger. Et il lui manque encore du respect. Et encore, il la trompe. Et encore, il fait rien dans la maison. Il ne se met pas balayer. Un homme qui est garçon, qui t'a dit que garçon ne peut pas faire à manger deux fois pour donner à sa femme? Qui t'a dit que garçon ne peut pas passer un jour là ses pieds? Qui t'a dit que garçon ne peut pas passer deux fois l'aspirateur? Qui t'a dit que garçon ne peut pas laver ses enfants? Femme, tu n'es esclave de personne. Homme, tu n'es esclave d'aucune femme. C'est du donnant-donnant. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Tu es mon âme sœur ou tu n'es pas mon âme sœur. On est fait pour être ensemble ou on n'est pas fait pour être ensemble. Ça doit être équilibré. Dans le couple, c'est comme ça. Ça doit être équilibré. Je te dois du respect. Tu me dois du respect. Je te dois de l'amour. Tu me dois de l'amour. Je t'achète souvent des cadeaux. Tu m'achètes souvent des cadeaux. Je te parle bien. Tu me parles bien. Chacun a son papa et puis sa maman. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à Paris, en Europe, il y a des hommes qui ne vous aime pas. La nuit, il est sur toi, tu ne peux pas dormir. Il dit, oh, si, ma soeur, si tu n'as pas grain même, ça fait quoi même? Si quelqu'un n'est pas monté sur toi, ça te fait quoi? Donc, à cause de petits bâtons, tu vas détruire ta destinée. Hein? Enfant de quelqu'un. Vous aimez trop ça? Si je fais, qui va venir me... Si je fais, qui va venir me... Aïe! Il y a des hommes qui sont là. Vous êtes à Paris, aux États-Unis, partout. Il y a des gigolos qui sont avec vous. Ils ne vous aiment pas. C'est vous qui achetez. Eh chérie, il y a un nouveau Lacoste qui est sorti. Est-ce qu'il peut acheter pour moi? Il achète ça pour aller se promener. Hein? Hein? On me dit de boire de l'eau. Il achète ça pour aller se promener dans la rue. Merci mon fils. Quand on le voit, il est beau, hein? Il est
joli garçon, ça là, si il pouvait, il va, ton argent, tu as mis dans sa poche, il va mougou à l'hôtel avec, il va payer restaurant. Toi, tu es à la maison, quand elle arrive, yo, oh, tu as préparé quand même. Allez, la télé là. Hey, Roger, faut changer, toi aussi. À manger. T'as même dit que mon petit agent qui était là, il te dit, adonné, t'as fait de la manière. Eh, pardon. Je suis comme ça, il te frappe, tu me connais. Est-ce que tu me connais même? Hein? Tu penses que toi, qui es. Et puis, t'es là. Demain, t'es là, après, demain, t'es là, après, demain, t'es là. Tu es mazo, tu es né pour mourir. Bêtement. Après, tu cherches Dieu. Seigneur, faut me délivrer. Jésus m'a sauvé. Le Seigneur fera rien pour toi, rien. Si tu bois de l'eau dans tes cervelles, le Seigneur ne fera rien pour toi. Change ta destinée. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui va changer pour toi. C'est toi qui dois pouvoir prendre les décisions pour les changer. Tu ne m'aimes pas. Je ne vais pas te détester. La Bible ne dit pas d'avoir des rancunes, de la haine. Tu m'aimes pas, je ne vais pas te détester. Et puis moi, elle prend mon chemin. C'est tout. On ne subit pas en amour, on vit l'amour. Quand tu te lèves le matin, tu dois avoir le cœur tranquille. Quand tu dors, tu dois être à l'aise. On ne vit pas, on ne subit pas dans l'amour, on vit, on savoure l'amour. On savoure l'amour. L'amour n'est pas fait pour subir. Quand tu es en train de subir, c'est que ce n'est plus l'amour. Abigail a failli mourir. Il y a beaucoup qui souffrent aujourd'hui. On attend juste le jour où on va les sacrifier pour les livrer. On attend le jour où on va voir une autre femme. On attend le jour où on va avoir l'occasion de les jeter. On est avec eux parce qu'on ne sait pas faire à manger. C'est elle qui fait à manger, donc on attend d'abord. On est avec eux parce que si elles s'en vont, le jour que mes maîtresses ne sont pas là, qu'est-ce qu'il y a fait? On a des Abigail qui savent qu'elles sont Abigail dans un couple. Mais elles sont là. Des fois, mais elles ne sont même pas dotées. Elles ne sont même pas mariées. C'est histoire de copains-copines. Mais elles sont en train de détruire leur vie. Abigail. Copains-copines. Il a acheté ça. Et puis, il va changer. Il a acheté ça. T'as vu mon nouveau décoté? Qu'est-ce qu'il s'en fout de ton décoté? Tu sais combien de décotés lui voit au dehors? Tes parents t'ont mis au monde, c'est pour souffrir pour quelqu'un, jusqu'à ce que quelqu'un va te tuer pour rien. Quand tu vois des jeunes filles qui meurent pour rien. Il y a d'autres même, Abidjan. Il y a un tonton là. Le tonton là, tu as vu sa grosse voiture. Il est marié, il a 3 enfants, il a 4 enfants. Et moi-même là, il a une fille qui a 24 ans. Moi-même, j'ai 20 ans, mais sa fille est plus âgée que moi. Mais il me donne l'argent. Oh. Il fait comment? Il me donne l'argent. C'est à cause de lui que j'achète ça. Et puis je dis, ma petite, viens. Il te prend dans la voiture. Il t'amène quelque part. On te tue. On enlève tes organes. Et puis il devient plus riche. Les Abigail, elles sont très têtues. Elles sont belles, mais elles sont têtues. C'est comme... Les blancs disent, je ne sais pas qui, ça veut dire que c'est des belles femmes, il n'y a rien dans leur tête. Elles sont têtues. Quand leurs parents les parlent, laissez-moi tranquille. Pourquoi vous êtes contre Nabal comme ça même? Depuis que c'est Nabal là même, toujours vous m'agressez seulement. Nabal par-ci, Nabal par-là. C'est votre mari même. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi aimer mon Nabal là-bas. Maman, si tu parles de Nabal encore, il ne parle plus à toi. Hein. Hey, papa, j'aime ton affaire, tes respects, mais il faut laisser Nabal tranquille. Et à cause de Nabal même, je ne viens plus vous voir même. Moi, je reste chez moi à la maison. Oh, c'est Nabal qui allait te tuer. Et c'est Nabal qui va te tuer. C'est quand c'est chaud,
quand tu es couché dans la morgue là, c'est là où les parents se rendent compte que tu vivais mal. Tu caches tout, on te frappe. Tout va bien à la maison. On te chicote. Oh, ça va, oh, ça va, ça va. Et fais comment? Tout va bien. Oh. Tu caches tout. C'est le jour que c'est gâté, c'est pourri. Tu es morte. Ou bien on n'entend plus parler de toi. Ou bien on apprend que tu es à la morgue. C'est ce jour-là qu'on va se rendre compte que Nabal te faisait du mal. Avec qui tu vis? Avec qui tu vis? Qui partage ta maison? Qui partage ta maison? Avec qui tu Qui partage ta maison? Ah, ça y est. Frères et sœurs, je ne vais pas continuer. J'ai dit aujourd'hui, je n'étais pas venu prêcher. C'est pas prière. Le pasteur prêche. On m'a prié, on m'a prié. C'est pourquoi vous voyez, je suis zen, je suis tranquille, je suis à l'aise. J'ai mon short, j'ai mon petit truc tranquille. Je suis venu parler comme un frère qui parle à ses soeurs et à ses frères. Je suis venu te dire que souvent, Dieu veut te t'exaucer. Tu as la réponse qui est là. Mais peut-être que tu as un Caïn à côté. Peut-être que tu as les frères de Joseph à côté. Peut-être que tu as Géasi, tu as Judas. Peut-être que tu as Agar à côté. Peut-être que tu as un Lot à côté. Ou bien peut-être que tu vis avec Nabal. Prie Dieu. Prie Dieu. De nettoyer ton environnement. Vous avez des servantes sorcières, des chauffeurs sorciers. J'ai un message que je vais prêcher bientôt. Le serpent qui est dans ta maison. Le serpent qui est dans ta maison. Je vais vous prêcher ça bientôt. Que tes yeux s'ouvrent. Tu as un sixième sens. Bon, lui là, il a qu'à cesser de parler. Moi, on dirait qu'on n'est pas à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui là, ce n'est pas église. Aujourd'hui là, c'est conseil. Voilà, excusez-moi. Voilà. Aujourd'hui, c'est conseil. Je ne suis pas venu prêcher. Quand tu me vois zen comme ça, c'est que voilà, c'est comme on est assis autour d'un plat ou d'un café, puis on a peut-être discuté. Voilà. Donc si tu vois, même, j'ai gardé mon chapeau, mais je suis à l'aise. C'est la manière qu'on est assis dans mon salon, et puis ça, c'est tout. Donc, on va dire, ah, il prêche, mais il a chapeau, il a... Non, il faut considérer que je suis venu discuter avec toi un peu, que ce n'est pas pour prêcher. Non, voilà, c'est mon style quand je suis à l'aise. C'est tout. Ta vie est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. Toi-même, ta vie, ta réussite, avant que tu demandes à Dieu, ils sont là, tu crois qu'ils t'aiment, c'est ton argent. C'est le plaisir. Il y a des femmes qui te suivent, tu crois qu'elles t'aiment, c'est ton argent. C'est ton plaisir.
Que Dieu nettoie tous les caïns, tous les agas, les caractères de frères de Joseph, les Lot, les Judas, les Géasi et les Nabal de votre vie. J'espère que j'ai aidé quelqu'un ce soir. J'espère que surtout vous qui n'êtes pas encore mariés. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont payé la dot, ils sont mariés depuis des années, ils ont des enfants, ils se sont supportés jusqu'à, ça fait 15 ans, 10 ans, 20 ans. Ce message-là n'est même pas pour eux. Parce qu'ils ont déjà payé la dot, ils sont mariés, ils sont dans leur couple. Les parents se connaissent, c'est des problèmes de famille. Ce message n'est pas trop pour eux. S'il y a des choses, il faut aller dire aux parents, ils vont régler. Mais vous qui n'êtes pas mariés, il t'a même pas encore doté. Ça fait 3 ans, 4 ans, il est avec toi. Il te mougou. Il te fait ça. D'autres maintenant, il fait des enfants. Grossesse, mais ça ne vient pas. Avortement seulement. Ou bien quand ça vient, ça se perd. Dieu te dit, je ne veux pas que tu aies enfant et le monsieur. Mais peut-être que si il lui fait un enfant, c'est là qu'il va rester avec moi. Peut-être que si il lui fait un enfant, c'est ça, il va me marier. Tu fais enfant, tu as enfant. Et puis il s'en va. Quand il s'en va là, il est parti, non? Un autre homme te voit, il t'aime, mais tu as bagage d'enfant sur toi. Il dit, moi, je vais me mettre à une femme qui a déjà un enfant, deux enfants. Elle fait comment? Moi, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne... Il ne t'a même pas doté. Quelqu'un qui te respecte, qui t'aime, hein, il va voir au moins tes parents. Quelqu'un qui ne respecte pas tes parents ne te respectera jamais dans la vie. Quelqu'un qui dit t'aime et puis cherche même pas à savoir qui est ton père, ta mère, de quelle famille tu viens. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Celui qui t'aime va savoir d'où tu viens, qui t'a mis au monde. Non, je suis avec un blanc là. Il fait tout pour moi, ma chérie. La maison est grande comme ça. Mais blanc là ne peut pas prendre avion pour aller au pays. Blanc là ne peut pas aller voir ton père qui est au village. Blanc ne peut pas aller voir tes parents qui sont au campement. Il est qui? Blanc, ce n'est pas l'homme. Pourquoi c'est lui qui va t'imposer ses règles? Chez toi là, tes parents t'ont élevé pour dire qu'il faut que si quelqu'un, il faut qu'on te dote. Tu dis au blanc, ça là, c'est fermé, c'est calé. Prends avion. Chez nous là, avant que tu rentres ici là, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si tu ne peux pas faire, mon cher, il faut prendre ton papier, il faut prendre ta peau, il faut prendre tes trucs en bas. Faites-vous respecter un peu. C'est un blanc, hein. Chez eux là, ils ne connaissent pas ça. Oh. Et puis un jour, tu sais quoi, Aline, j'en ai marre de toi. Hein? Je t'aime plus, d'accord? Tu prends tes affaires, tu te bagasses, toi. Allez, sors. Je n'ai même plus envie de te voir. Maintenant, pasteur, fais prier pour moi. Je m'en jeter au dehors. Adoua, est-ce que tu peux dormir dans ton salon? Akishi, mon bras là m'a jeté. Oh. Tes parents ne sont pas là pour te défendre. Il n'est pas allé voir tes parents. Il n'y a personne. Il t'a pris comme quelque chose dans la rue. Et puis il est venu te déposer. Donc il te jette comme quelque chose qu'il a pris dans la rue. Fais-toi respecter. Quelle que soit la couleur de peau, fais-toi respecter. Quel que soit l'argent qu'il a, fais-toi respecter. Tu as tes parents qui t'ont mis au monde, ils t'aiment. Donc, quelqu'un t'aime, la moindre des choses, on n'a pas dit qu'il n'a qu'à aller payer camion de dot. Il n'a qu'à au moins dire bonjour à tes parents. Papa, j'aime ta fille. Maman, j'aime ta fille. À partir d'aujourd'hui, là, sachez que c'est avec moi elle est. Je suis aussi votre enfant. C'est fini. Ah, mes enfants, soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Mon fils, prends bien soin de ma fille. Hein. Et puis, allez-y voir les parents de la fille aussi. C'est pas que l'homme. On voit les parents de la fille. On voit les parents de l'homme. Les deux parents se rencontrent.
Le mariage, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'union, ce n'est pas seulement entre deux hommes, c'est entre deux familles. Les deux familles doivent se connaître. Quand il y a un problème dans l'autre famille va. Quand il y a un problème, parce que c'est deux familles qui deviennent maintenant une seule famille. Tu ne connais pas les parents de la fille avec qui tu vis. Toi aussi, tu ne connais pas les parents de l'homme avec qui tu vis. Et tu es étonné qu'il y a des problèmes. Qui va venir te sauver demain? Si tu te coupes la tête, il te jette dans la rue. Qui va t'aider? Tu comptes quoi sur les réseaux sociaux? C'est pas toujours Bishop Melchizedek met sa bouche dans maître de femme. Je pense qu'on va s'arrêter là. À d'autres, même on les frappe, on les jette du balcon. Et je vous en prie, c'est pas de sa faute. Il n'a rien fait. C'est mon mari. C'est mon chéri. Si vous le mettez en prison là, c'est qui va payer encore mes caressons? C'est qui va me donner à manger? Je ne sais pas travailler. Je vous en prie, laissez-le me tuer. C'est mon mari. S'il vient quand me frapper, laissez-le. C'est pas toujours nous, on va être papato. Hein. Moi, mon onction de papato est en train de diminuer. C'est pas toujours on va venir se mettre là pour défendre cadavre. Pour défendre quelqu'un qui, on la conseille, n'a pas écouté. C'est pas toujours on va se mettre là pour rentrer, mettre ta fête. Tu sais un peu. Ça me fait mal. Les parents mettent les enfants au monde. Et puis, ce n'est pas les femmes seulement. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont esclaves d'une femme. Ils ne parlent pas à leur papa, ils ne parlent pas à leur maman, ils ne parlent pas à leur soeur. Ils ne peuvent pas rendre visite à quelqu'un. La femme là, j'ai dit, c'est elle seule qui a fait sous bien. C'est elle seule qui a sain. C'est elle seule. Elle t'a donné quoi à manger? À cause de femme, tu as coupé tout à ta famille, tes gens qui t'aiment. C'est un seul qui s'est bougé dans. Il ne faut pas faire parler. Pardon, ma bouche la défense, ça ne porte pas ta leçon. Elle t'a donné quoi? Elle a mis quoi? Dans quoi dans son. Non, je ne vais pas parler. C'est bon, je ne vais pas gâter mon affaire ici. Garçon, ton papa a appelé. Oh, il n'a qu'à quitter là-bas. Mais ta maman voulait. Oh! Que Dieu vous bénisse. J'ai été un peu trop long même. Je ne voulais pas être long ce soir. Mais c'est un sujet qui me touche vraiment à cœur. C'est pourquoi j'ai continué. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. On va s'arrêter là. Je vais enlever mon chapeau pour prier pour vous. J'espère que vous m'avez écouté. J'espère que ça va aider quelqu'un. J'espère que tu ne vas pas mourir bêtement. Qui est dans ta maison? Avec qui tu vis? Est-ce qu'il t'aime vraiment? Est-ce qu'elle t'aime vraiment? Est-ce que tu es avec la bonne personne? Est-ce que c'est un amour que tu forces? Est-ce que c'est un amour hypocrite? Seigneur, merci de m'avoir donné la force de partager ce moment avec tes enfants. Je prie que ta grâce les environne. Que ceux qui sont dans le mauvais choix, dans le mauvais, la mauvaise environnement, le mauvais, oh, je ne sais plus parler français. J'ai mal à ces gens de message, de voir des gens souffrir parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre des décisions pour leur vie. J'ai mal au cœur de voir des gens subir parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres. J'ai mal au cœur de voir des gens qui ne sont pas libres. Parce qu'on va dire ça, on va penser ça. Seigneur, quand je vois ça, et que je vois que j'ai fait comme eux avant, et maintenant je vis ma vie,
Si je veux être en short, je suis en short. Je veux porter ma bague, je suis en bague. Je veux taire ma barbe, je suis taire. Je veux danser, je veux grossir, je veux maigrir. C'est ma vie. Parce que les personnes qui parlent, ils ne m'aiment pas. D'autres m'ont fait semblant de m'aimer. Mais demain, quand je serai dans mon tombeau, ils ne seront pas là. Quand je suis dans mes chagrins, ils ne sont pas là. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils vivent avec la mort. Ils vivent avec Nabal. Ils traînent avec des Géasi. Ils traînent avec des Lot, des Judas. Mais ils sont dedans. Ils n'ont pas envie de changer. Ça les plaît. Les gens leur font du mal. Ils prêtent l'argent à celui-là. Il a bouffé son âme. Il n'a pas remboursé, mais c'est son meilleur ami. Et quelqu'un vole chez lui, mais ce n'est pas grave. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure copine. Elle a volé son mari. Ils vivent. Et après, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Mais tu n'es pas un Dieu de désordre. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Je prie que tu bénisses tes enfants, que tu les aides. Et que ce message puisse aider quelqu'un. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Wouh! Émotion. Je ne sais pas si demain je fais direct. Demain c'est. Demain je me repose. Je prends un petit jour de repos. Donc demain c'est jeudi. Ah, il casse tout. Vendredi, on va faire direct. Demain, je fais une pause. Je vais me reposer un peu. Donc, vous pouvez revoir mes directs. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, il y a les liens qui sont là. Abonnez-vous. Ceux qui devraient m'appeler pour la prière, vous pouvez voir le secrétariat. Le numéro est là. Appelez là, il va vous mettre un rendez-vous. Si c'est vraiment un cas urgent, dites-lui. Et si elle va m'appeler, si elle peut vous prendre en même temps, je vais vous prendre. Alors, si aussi vous m'avez contacté directement parce que c'est mon numéro que vous avez, ne m'appelez pas. Laissez juste un audio ou un message. Moi, je vais vous appeler, vous donner les directives. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je voulais dire quelque chose. Mes enfants qui me suivaient avant, depuis très longtemps, des serviteurs de Dieu, des gens qui avaient l'habitude de m'appeler, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il faut passer par le secrétariat, vous allez croire que vous êtes à côté de tout ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Hein. Je sais où je vais, je sais à qui je vais, je sais d'où je viens. Hein. Donc, il ne faut pas dire, ah, maintenant là, mon frère dit non, il ne faut plus maintenant là, passer par le secrétariat. J'ai dit à une servante de Dieu, j'ai dit, la famille, c'est la famille. Hein. Tu m'appelais, on discutait, on parlait ensemble. Ce n'est pas parce que tu as entendu à faire des secrétariats, tu vas croire que tu es obligé de passer par quelqu'un pour venir. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Donc, je resterai tout. Même si demain, il dort dans le milliard, je suis toujours la même place. Donc, ne croyez pas que quelque chose change. C'est juste pour mettre de l'ordre. Parce qu'il y a des sujets de prière, les gens viennent. Il faut pouvoir avoir les choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Passez une très, très bonne nuit. Et nous sommes à vendredi.